Que ce soit le prix des carburants ou le prix de l'électricité et du gaz, ça ne fait que d'augmenter. Maintenant, faire un plein de voitures, ça coûte un bras. Heureusement, il existe des nouvelles technologies qui nous permettent d'aller se déplacer sur des petits moyens trajets, comme par exemple la trottinette électrique, le vélo électrique, ou même, encore plus, la voiture électrique. Ça devient plus abordable, ça devient plus à la portée de tout le monde pour acheter ou louer une voiture électrique, par exemple. Néanmoins, bah, on a toujours l'électricité qu'il faut payer. C'est beaucoup moins cher que de l'essence hein, sur un trajet, mais il faut quand même, pour les trajets du quotidien, payer l'électricité. Et si je vous disais qu'il existe maintenant des produits simples d'installation pour produire votre propre électricité et pour pouvoir rouler hein, gratuitement avec votre vélo, votre trottinette électrique ou encore, si vous faites des petits trajets comme moi en voiture électrique, ben voilà, de rouler gratuitement, totalement pris en charge par l'électricité que vous produisez. Les panneaux solaires plug and play photovoltaïques, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais si je vous parle aujourd'hui d'une solution qui va stocker l'électricité produite par ces panneaux directement dans une batterie et qui va utiliser cette électricité de manière intelligente. Et ça, c'est ce que Anker Solix nous propose avec son kit Anker Solix Solar Bank 2 Pro. Ce kit solaire composé de panneaux et de batteries va vous permettre de créer, de stocker une énergie, de l'électricité et du coup de la renvoyer en fonction des besoins de votre domicile, des besoins de votre quotidien. Bref, va vous permettre d'alléger votre facture d'électricité. C'est parti! Commençons par regarder ce kit un petit peu, de parler de ce kit et de voir son installation. Le kit solaire Solar Bank 2 Pro de Anker Solix va avoir un élément central, la Solar Bank, la batterie. Cette batterie, vous allez voir, vous allez avoir plusieurs modules possibles, des modules que vous allez pouvoir ajouter, des modules, des batteries supplémentaires pour pouvoir avoir une plus grosse capacité de stockage. Mais de base, on va voir dans ce kit la batterie, les batteries supplémentaires si vous voulez, et aussi les panneaux solaires. Les panneaux solaires aussi, vous allez pouvoir en choisir différents. Moi, j'ai 4 panneaux 540 watts. C'est les panneaux d'à peu près 2,2 mètres de long. Vous allez voir, on va voir leur installation directement en sol et ils vont être connectés à la batterie. Ils vont choper le soleil, produire de l'électricité et l'envoyer sur la batterie. Lorsqu'on va déballer ce kit, on va voir les différents éléments. La batterie, moi j'ai une batterie supplémentaire. Chaque batterie a une capacité de 1600 Wh, 1,6 kWh. Et lorsque vous allez ajouter du coup une batterie supplémentaire, ça vous en rajoute 1,6 kWh. Et vous allez pouvoir aller comme ça jusqu'à 9,6 kWh avec 5 batteries additionnelles. Ce qui correspond à la batterie principale et 5 batteries supplémentaires. Oui, le gros avantage de ce système de batterie, ça va être la simplicité. C'est-à-dire que chaque batterie, vous allez les pluguer les unes sur les autres. Vous enlevez le caoutchouc, vous la posez l'une sur l'autre et le tour est joué. Ça va augmenter directement la capacité de stockage d'énergie. Mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Du coup, les premières étapes, ça va être déballer tous mes composants. Je vais déballer mes batteries, je vais déballer mes panneaux solaires. J'ai commencé par installer, par monter les panneaux solaires. Et ça va falloir un petit peu d'huile de coude, même si ça se fait, hein. C'est juste des supports à monter sur les panneaux. Le faire seul, bah, ça met un petit peu de temps. C'est juste du vissage, du remontage. Les panneaux, les supports sont en bonne qualité, aluminium assez épais, c'est parfait. Il est même possible de le poser sur un mur. Ça, je vais le faire dans un second temps. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore le temps de le fixer au mur parce que bah, il faut être deux pour le porter et le fixer au mur, ça c'est sûr. Une fois que les panneaux sont montés, le temps est pris, installé, on va visser chaque support sur chaque panneau. Je me retrouve avec mes 4 panneaux. Maintenant, vient le temps d'installer la batterie. Moi, pour installer la batterie, bah, j'ai fait ça bien. J'ai acheté une petite dalle en béton, je l'ai mis niveau et je fixe ma batterie proche d'un mur. Et oui, pour s'attarder un petit peu sur la batterie, ça va être une batterie pour l'extérieur, sans aucun souci. Elle va résister aux chaleurs et aux températures basses. Et oui, c'est grâce à la technologie Thermal Boosting. Elle permet à la Solar Bank 2 Pro de fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes, même à moins 20 degrés. Le système et les panneaux photovoltaïques sont respectivement classés IP65 et IP68, capables de résister aux conditions pluvieuses ou poussiéreuses. Et cette batterie va avoir une capacité d'entrée hein, de panneaux solaires de 2400 watts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher 4 panneaux solaires de 600 watts si vous le souhaitez sur cette batterie. Moi j'en ai 4 de 540 watts, ce qui est plutôt pas mal. Et pour l'installation de cette batterie, je vous disais,
c'est une installation super facile. Je pose ma première batterie supplémentaire et au-dessus, je le plug la batterie principale. Ensuite, tout est détaillé hein, si vous voulez savoir comment faire. Il y a même des petits supports, des petites équerres pour après fixer les batteries au mur pour être sûr que ça ne bouge pas. Pour tout vous dire, moi c'est Anker hein, qui m'a envoyé la batterie et la batterie supplémentaire pour tester, mais j'ai directement été sur le site et acheté hein, de ma poche deux batteries supplémentaires. Afin d'avoir une capacité d'à peu près 6 kWh. Et ce qui est vraiment rassurant avec cette batterie, outre le fait qu'elles sont faites hein, pour être à l'extérieur, c'est que c'est des batteries avec une longue durée de vie. C'est des batteries qui vont permettre 6000 cycles de charge. Elles auront une durée de vie de 15 ans et sont garanties 10 ans. Les panneaux photovoltaïques que j'ai de 500 watts ont une durée de vie de 25 ans et sont garanties 12 ans. Ce qui vous laissera après calcul amplement le temps de rentabiliser ce système. Au niveau de l'installation des panneaux solaires, je vous le disais, vous allez avoir la possibilité de les mettre au sol, hein, comme là j'ai fait actuellement, mais vous aurez aussi la possibilité de les accrocher au mur. Il y a déjà des trous dans les supports qui sont prévus à ça. Bien entendu, il faut suivre hein, les normes de votre région, de votre ville. Normalement, je crois en France, on n'a pas le droit de les mettre au-dessus d'un mètre 80, sinon il faut faire une demande à la mairie. Après, vous aurez la possibilité aussi de les poser sur un rooftop, sur une terrasse, et si vous avez un balcon, il existe certains panneaux chez Anker qui sont compatibles avec cette Solar Bank qui ont des supports directement pour les balcons. Car oui, aussi un des gros avantages de cette Solar Bank, c'est que elle est compatible avec tous les panneaux solaires qui existent sur le marché. Donc si vous en avez déjà, vous pouvez juste prendre la batterie, la Solar Bank et la batterie supplémentaire ou les batteries supplémentaires et vous les raccorderez bien entendu à vos panneaux existants. Donc voilà, moi mes panneaux sont montés, ma batterie est installée et fixée contre le mur. Il reste du coup maintenant à plugger simplement avec les câbles fournis ou encore des rallonges si vous les mettez plus loin, mes panneaux à ma batterie. Le tour est joué, je vais pouvoir allumer ma batterie, prendre l'application et paramétrer l'application, c'est-à-dire, bien entendu, connecter ma batterie à mon application au Wi-Fi pour pouvoir avoir en direct la consommation. J'ai donc pris mon application Anker, j'ai fait l'appairage entre la batterie, la Solar Bank et mon application, et là je vois ce qui produit. Bon, là dans mon installation au départ, il me manque deux panneaux parce que j'avais pas assez de câbles. Mais depuis, bien entendu, je les ai mis et vous allez voir, on va voir ensemble combien ça produit maintenant. Lorsque vous avez commandé un pack, actuellement, il y a un smart meter qui est offert. Ce smart meter, hein, sinon qui coûte un peu plus de 100 €, va vous permettre de corréler votre domicile avec la batterie. Le compteur intelligent, le smart meter, permet de surveiller la demande d'énergie en temps réel. Il peut communiquer rapidement avec la Solar Bank et répondre dans les 3 secondes avec une précision de plus ou moins 10 watts. Et ça, c'est encore plus intelligent parce que la batterie va parfois dire, il n'y a pas besoin, j'en stocke. Elle va tout stocker. Et après, la nuit, y a besoin parce que la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On met à tourner la machine à laver, le sèche-linge, etc. Et là, elle va pouvoir envoyer. Et moi, par exemple, ma voiture électrique, je donne des petits créneaux pendant les heures creuses, normalement la nuit, pour recharger. Et là, je vais pouvoir programmer juste la nuit ou certaines heures directement la recharge de ma voiture électrique et une partie sera prise en charge par la batterie. Que ce soit une partie de la recharge de ma voiture électrique ou vous dites, tiens, je vais mettre à charger le soir ma trottinette électrique, mon vélo électrique, et c'est pareil, la batterie, grâce à ce smart meter, va le savoir et va l'envoyer. Autre élément important, lors d'une panne de courant, on peut utiliser la prise hors réseau de 1000 watts de la Solar Bank pour charger les appareils essentiels. Avec cette prise et ce courant sortant de 1000 watts de la Solar Bank de Pro, on peut du coup faire face à n'importe quelle panne pour brancher par exemple un frigidaire. Et ça, je vais vous montrer maintenant, tout est installé depuis plusieurs jours, tout marche. On va regarder l'application, comment ça se passe actuellement. C'est parti! Regardons maintenant l'application Anker. L'application Anker où on avait bien entendu fait l'appairage et le système, créé notre système entre la batterie, le smart meter qu'on a ajouté après et les panneaux. On va voir directement sur l'application plusieurs possibilités. Si il fait jour, si le soleil tape sur les panneaux, on va voir directement sur notre écran principal notre maison qui va indiquer la puissance solaire générée en haut à gauche avec solaire. Là, c'est entre 900, 800, etc., etc. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir avoir la puissance générée par panneau. En bas, on aura directement la Solar Bank qui est en train de se remplir. Si je reviens sur cette application, je vais voir que ma Solar Bank est remplie à 100%. Elle pourra donc se décharger directement quand il y aura besoin de consommer. Là, elle s'est chargée toute la journée. On voit que la production solaire aujourd'hui, c'est de 3 kWh et qui a été du coup directement
recharger. En dessous, on va avoir déjà les gains réalisés, l'économie, etc., etc. Bon, vous prenez pas forcément ça en compte, car j'avais pas installé tous mes panneaux au départ, et que maintenant, ça fait depuis hier que j'ai installé tous les panneaux. Et encore, là j'attends la semaine prochaine quelqu'un qui va me donner un coup de main pour les mettre à un endroit où il y a plus de soleil, à un mur, où j'ai prévu de les attacher à un mur. Donc ça devrait créer encore. Mais en moyenne, lorsque j'avais mes 4 panneaux là, je tournais à peu près entre 800 et 2000 watts sur le système. Donc je suis pas encore à 100% de ce que ces panneaux peuvent faire, mais ça viendra, il faut juste prendre le temps d'installer ça au bon endroit. Je vais donc avoir ma batterie, là qui est chargée à 100%, qui ne reçoit plus d'énergie solaire parce qu'il n'y a plus de soleil, et je vais avoir mon smart meter en bas qui va donner la charge domestique qui est utilisée, ainsi que ce qui repart directement sur le réseau. Je vais avoir du coup mes économies au niveau de l'argent, mes économies au niveau du CO2, en dessous je vais avoir mes graphiques par rapport au jour, soit mon utilisation aujourd'hui c'était de 5 kWh, mais je vais pouvoir avoir aussi ma production ainsi que ma décharge de stockage de la batterie. Est-ce qu'aujourd'hui elle a déchargé juste 1000 watts? Et si ma production solaire a renvoyé sur le réseau? Le but de cette batterie c'est de se remplir, c'est pas de renvoyer sur le réseau. Je vais avoir ces informations sur la semaine s'il faut. Là vous voyez sur la semaine où j'en suis. Donc on voit que là j'ai mes 4 panneaux qui sont installés depuis aujourd'hui jeudi. Et avant ça j'avais pas, sachant que comme je vous le disais, j'ai pas encore optimisé leur emplacement, mais ça va arriver. Si vous êtes intéressé par un petit bilan un mois après, 2 mois après, 3 mois après, une fois que j'ai bien tout installé, etc., n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, je pourrais vous faire un petit bilan, soit sur Insta, soit directement sur YouTube. Je vous l'ai dit aussi que j'ai acheté déjà 2 batteries en plus supplémentaires qui ne sont pas encore arrivées, mais qui s'ajouteront directement à ma production et à mon stockage de batteries. En dessous, du coup, je vais avoir des détails, des destinations énergétiques, etc., etc. Je vais pouvoir voir ça, mes appareils, mon smart meter qui est là, qui va me dire depuis le réseau électrique qui est consommé, etc., etc. Voilà les amis, vous l'aurez compris, ce système kit production solaire, solar bank, va vous permettre de mieux gérer l'énergie solaire, la production d'électricité que vous aurez fait via les panneaux photovoltaïques. Car cette batterie va permettre de stocker l'électricité pour soit l'utiliser quand vous en avez besoin, quand vous en avez plus besoin le soir, la nuit, etc. Soit surtout éviter que si vous produisez plus que ce que vous consommez à un instant T, ça reparte directement, gratuitement, sur le réseau électrique et ça ne soit pas conservé chez vous. Moi, ma batterie, elle est pleine. Bien entendu, elle va commencer certainement à se décharger rapidement lorsque je vais commencer à utiliser l'électricité. Je vais aller mettre à charger mon vélo électrique. Je vais mettre à charger ma trottinette électrique. Et lorsque j'aurai déjà plusieurs batteries, quand j'aurai mes 2 batteries supplémentaires et que j'aurai assez de stockage, je commencerai à charger ma voiture électrique directement via cette batterie, directement via l'énergie qui est produite sur cette batterie. Car mon but, je vous le disais, c'est de réduire drastiquement les coûts de l'électricité qui me permettent de me déplacer, que ce soit en vélo, en trottinette ou en voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mon test, mon installation de ce kit. N'hésitez pas à aller voir en description, je vous mettrai un lien pour directement aller sur le site d'Anker Solix. Il y a actuellement encore des offres sur ce kit, des offres avec le smart meter offert, etc. Je vous mets toutes les offres actuelles par rapport à quand vous regardez la vidéo, je vous les mets en description. Et en plus de ce smart meter gratuit, Anker organise des ventes flash sur l'ensemble du site. Je vous mettrai bien entendu le lien en description pour aller profiter de tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je remercie Anker Solix de m'avoir fait confiance sur ce partenariat, de m'avoir envoyé ses produits à tester. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech, produisez mieux, consommez mieux. Merci et à bientôt sur ma chaîne.